Bonjour à toutes et tous. Dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment mettre votre chaîne YouTube privée en version publique pour que les chaînes auxquelles vous vous abonnez puissent vous identifier, surtout si vous faites des jeux concours sur ces mêmes chaînes. Alors, même si vous voulez garder votre nombre d'abonnés caché, je vous montrerai la chose à faire plus loin dans la vidéo. Alors déjà, pour commencer, vous allez aller dans votre chaîne YouTube. Une fois que vous l'ouvrez, voilà, on va le faire comme ça. Une fois que vous êtes sur votre page d'accueil de votre chaîne YouTube, vous venez ici, vous allez ici tout en bas, là, ici, là, juste là, dans paramètres, il y a un petit rouage, vous cliquez dessus. Une fois que vous êtes sur vos paramètres, vous cherchez confidentialité, comme c'est écrit ici. Vous cliquez dessus, et là, vous allez être comme ceci. Alors là, vous décliquez, et là, vous serez visible de toutes les personnes auxquelles vous allez vous abonner. Comme ça, vous n'auriez pas de problème si vous vous abonnez à des chaînes qui font des concours. Comme ça, eux vous verront, et pourront vous mettre dans la liste des abonnés qui ont participé au concours. Et bien voilà, c'est terminé hein, pour cette première partie. J'espère que cela vous aura servi. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième et dernière partie de la vidéo. Je vais vous montrer comment cacher vos abonnés. Tout d'abord, vous ouvrez votre chaîne YouTube. Alors voilà, je vais aller la chercher. Voilà. Vous ouvrez votre chaîne YouTube, pareil que tout à l'heure, vous êtes là. Une fois que vous y êtes, alors une fois que vous êtes sur votre chaîne YouTube, vous allez ici, carrément en haut à droite, vous cliquez sur votre icône. Vous allez sur YouTube Studio. Ensuite, vous allez tout en bas sur le petit rouage paramètres. Ensuite, vous allez sur la chaîne, ici. Vous allez sur paramètres avancés, qui se trouve ici. Et vous descendez là, juste là. Vous, ça sera coché. Ce que vous faites, vous recliquez dessus. Vous allez cliquer dessus pour l'enlever comme ceci. Vous enregistrez surtout, sinon ça va garder le cocher ici. Vous enregistrez et une fois que c'est enregistré, bien sûr, vous quittez. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce petit tuto. Alors, si ce petit tuto vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir, à vous abonner à la chaîne et sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo et regarder les vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.